Voilà, bonjour. Voilà, j'ai décidé de me lancer à faire mes propres vidéos YouTube. Après en avoir suivi des centaines, des milliers et probablement des millions, j'ai décidé de me lancer à mon tour et d'essayer d'en faire moi aussi. J'espère que quelqu'un me regardera un jour, que je ne sois pas toute seule dans ma chambre. Voilà. Donc, le truc qui m'a donné envie de me lancer aujourd'hui, c'est que j'avais envie de parler de la jolie box. Merci. Bon, on va pas grand chose. J'avais envie de parler de la jolie box parce que c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup emballée. Quand j'ai reçu la mienne, j'ai juste été comme une dingue. Alors, la jolie box, si vous ne savez pas ce que c'est, d'une part, c'est que vous ne devez pas être beaucoup sur internet comme moi. La jolie box, en fait, c'est une idée qui est venue, je crois, chez eux, ça s'appelait Birchbox, quelque chose comme ça. Et vous avez sans doute vu sur YouTube, il y a eu plein de youtubeuses américaines qui l'ont présenté et qui présentent tous les mois leur Birchbox. C'est un abonnement. Donc en l'occurrence, en France, pour la jolie box, l'abonnement coûte 10 euros plus 3 euros de frais par mois, donc 13 euros. C'est un abonnement. Tous les mois, vous recevez une boîte contenant des mini-formats de produits de beauté. Donc du maquillage, des soins, voilà. En France, c'est Mathilde qui a eu cette super idée de rapporter ça des États-Unis. Mathilde, c'est la blogueuse du blog La Vie en Blanc, qui fait aussi des vidéos sur internet, sur YouTube. J'adore cette fille, je suis complètement fan de cette fille, je la suis depuis trop longtemps, son blog est juste exceptionnel, ses vidéos sont super aussi. Alors, le produit qui m'a vraiment trop emballée et qui a fait que j'ai complètement sauté partout, crié et tout quand je l'ai vu dans ma boîte, c'est ça. Ce sont deux produits de la gamme Dermalogica. Et en plus, ce ne sont pas n'importe quel produit, ce sont les deux produits que je voulais absolument m'acheter, que je voulais absolument essayer. Donc, c'est le Daily Microfoliant et le Gentle Cream Exfoliant. Ils ne sont pas faciles à posséder. Alors d'une part, moi je ne pouvais trouver que sur internet. Je crois qu'il y a un magasin à Paris qui les vend, mais sinon c'est exclusivement sur internet, donc c'est super frustrant. C'est super frustrant surtout quand vous entendez que ce sont des super produits. Par contre, si vous allez sur le site internet, vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre souci, c'est que ce sont des produits hyper chers. Mais alors, hyper chers. Ils doivent coûter à peu près 50 euros chacun. Bon, c'est un plus gros format, hein. Parce que là, ils sont en petit format. Mais bon, ça coûte quand même super cher et je me suis dit, bon, je ne peux pas mettre 50 euros dans un produit que je n'ai jamais essayé de ma vie. Alors, l'autre youtubeuse que j'adore, qui pareil, ne jure que par ses produits et cette marque, c'est Lisa Eldridge. Mathilde et Lisa Eldridge, elles utilisent pile ces deux produits. Alors, Mathilde, elle ne jure que par les deux microfoliants. Ça fait tenir. Donc, c'est ceci. Et Lisa Eldridge, elle ne jure que par le deuxième, le Gentle Cream Exfoliant. Voilà, donc regardez comme ils sont mignons, ils sont tout petits, ils sont trop mignons. Voilà, alors j'ai essayé donc ces deux produits. Voilà, celui-ci, il n'y a pas de problème, hein. C'est un masque. Voilà, en gros, vous l'appliquez, voilà, on massant un petit peu, vous laissez poser 5 minutes, 10 minutes, c'est cool. 10 à 15 minutes, vous laissez poser 10 à 15 minutes, vous rincez et il y a plein. Ça par contre, un peu étrange. Un petit peu étrange. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, vous voyez ça, vous dites, ok, ça
ça va m'exfolier la peau. J'en doute. Et en fait, il suffit de le verser dans ses mains. Moi, les mains, alors moi j'avais humidifié mes mains au préalable. J'en ai versé un petit peu dans le creux de ma main. Une cuillère ou une demi-cuillère à café. Vous mélangez, ça forme un genre de pâte. Une fois que tous les petits grains sont partis, vous massez tout le visage, vous évitez de contourner les yeux, les lèvres et tout. Et voilà. Et ensuite vous rincez. Et voilà. Miracle, vous avez la peau magnifique. Le feu est tout doux et tout, c'est trop agréable. Vraiment un excellent produit. Franchement, j'avais quand même peu de doutes, mais là c'est clair, j'en ai plus aucun. Excellent produit. Donc Mathilde, elle dit que celui-ci, on pourrait l'utiliser quotidiennement. Mais que celui-là par contre est un petit peu plus abrasif, donc on va l'utiliser genre une fois par semaine. Je l'ai utilisé aussi, exceptionnel. Exceptionnel, je crois que je n'ai jamais eu la peau aussi douce qu'après avoir appliqué ce Gentle Cream Exfoliant. Vraiment excellent produit. Si je devais en choisir un seul, parce que comme je vous dis, il coûte quand même 50 euros, donc on peut pas acheter les deux. Moi je prendrais celui-ci. Je prendrais celui-ci parce que, tout simplement parce que je ne m'exfolie pas la peau tous les jours. Enfin, en fait, si je le fais, mais je le fais avec mon Clarisonic qui exfolie déjà en nettoyant vraiment en profondeur. Donc, je vais pas me racheter quelque chose pour exfolier ma peau tous les jours parce que j'ai déjà quelque chose qui me fait quotidiennement. Donc, je pense que j'achèterai plutôt celui-ci. À voir. Alors, l'autre produit qu'il y avait dans la Jolie Box, un autre, c'est ceci, Élixir de Bac Urgence. Je dois avouer que je ne connaissais pas cette marque. Donc, apparemment, c'est un produit bio et ça sent le bio. C'est un produit qui sent trop bon. Qui sent les plantes, mais alors, il y avait un champ là-dedans, c'est génial. Donc, comme son nom l'indique, Urgence, c'est un produit pour toutes les petites urgences du quotidien, à savoir les piqûres de moustiques, les coups de soleil, je sais pas, les poudres, j'en sais rien. Plein de petits trucs comme ça. Vous l'appliquez, vous massez un petit peu, vous laissez pénétrer et magie, il y a tout rien en ordre. C'est très apaisant. Cette odeur de plante, elle pique pas du tout. Sur la peau, surtout si vous avez des petites plaies et tout, c'est génial. Et je suis hyper contente d'avoir ce produit parce que voilà, c'est un mini format. Et je me dis que je vais l'emporter avec moi cet été, en vacances. Ce sera super pour toutes les petites urgences. Je suis sûre que j'aurai sans doute besoin d'un produit pour les coups de soleil ou pour les piqûres de moustiques. Je risque d'avoir ce genre de petits problèmes. Et c'est super, je dégainerai ma crème urgence qui sent super bien. Voilà. Alors, un autre produit, c'est un masque. Masque éclat hydratation instantanée. Voilà. Bain de lagon. Rien que de lire le nom, je trouve ça super. Donc, la marque, c'est Carita Paris. Carita, je dois dire que ça me disait quelque chose. Je crois que je connais cette marque. J'ai pas de produit de cette marque, mais voilà. À force de traîner dans tous les magasins. Bref. Donc c'est un masque que j'ai posé après avoir fait ceci, l'exfoliant. Je l'ai appliqué sur tout mon visage. J'ai laissé agir, comme ils disent, 5 minutes. Et vraiment, ça fait un bien fou. Alors en fait, moi, je ne l'ai pas laissé poser 5 minutes. Non, moi je l'ai laissé poser peut-être 10 minutes. Hein, pratiquement le double du temps. Mais l'odeur c'est... C'est juste fou, quoi. C'est pile le genre d'odeur que vous avez envie de sentir l'été. C'est une odeur fraîche, agréable sur le visage. Là. Je l'ai appliqué un soir, il faisait 1000 degrés. Super agréable. Vraiment. Et puis la peau, alors après ça, plus ça. Ensuite, alors là, ça c'est un produit de chez Silurga. Crème absolue fermeté jour. Voilà. Je ne connaissais pas cette marque, Silurga, ça me disait rien. Alors ça, je dois avouer que je ne l'ai pas encore testé. Le matin, je ne pense pas à l'utiliser. Je suis pressée, j'ai encore un peu endormi, donc voilà.
Voilà, donc ça se présente comme ça, dans un petit pot en plastique, c'est pas en verre. Voilà. Voilà. Ça sent super bon. Ah, c'est une odeur de crème. C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est super agréable. Allez, promis, je l'utilise demain matin, parce que vraiment, elle me fait envie cette crème. Le dernier produit, c'est un produit, je suis trop contente qu'il ait mis dans la jolie box parce que justement ce mois-ci, je voulais m'acheter l'eau micellaire de Bioderma, la créaline H2O. Je suis trop contente parce que voilà, c'est l'été et tout, et j'avais envie de racheter ce produit parce que c'est un produit que je connais, je voulais le racheter. Parce que l'été, je pense qu'on a envie un peu de fraîcheur, de s'appliquer quelque chose de, sur un coton de frais le soir, etc. Pas un lait. Pas une huile, pas quelque chose de lourd pour se rafraîchir. Et je trouve que celle-là, elle est juste top. C'est l'eau micellaire, je pense, la plus connue dans le monde des femmes et tout, des hommes aussi. Bref. Parce qu'elle est super efficace, qu'elle est super agréable et que surtout qu'elle n'irrite pas du tout. Or, moi, le gros problème des eaux micellaires en général, c'est que là, je suis toute irritée de partout. Les yeux, je ne peux plus les toucher et en général, je suis obligée de laisser une partie de mon maquillage parce que j'ai les yeux qui vont exploser. Il n'y a pas avec ça. J'en applique sur un coton, je laisse poser le coton. Ça vous détend, ça vous rafraîchit, ça décongestionne un peu les yeux. Ensuite, on frotte doucement. Et là, il n'y a plus rien qui reste sur le coton et c'est super. Et je tiens quand même à vous faire remarquer que c'est une bouteille de 100 ml. Donc pas de moulin à jolie box, hein, mais encore une fois, c'est quand même super. Ça, si je fais des petits clins d'œil, hein, c'est parce que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours d'une fille, d'ailleurs, je vous mettrai aussi le lien si je le retrouve. Une fille qui fait une vidéo sur la Glossy Box. La Glossy Box, c'est le concurrent de la jolie box. Ils ont sorti leur boîte aussi une semaine avant. Et cette fille semblait dire que c'était un petit peu l'arnaque, la Glossy Box, parce qu'il se trouve que la plupart des produits qui étaient inclus dedans n'étaient pas des mini-formats, comme c'était pourtant le principe, mais des échantillons. Donc elle était un petit peu dégoûtée voilà, d'avoir payé pour avoir des échantillons qu'on a en général gratuitement à Sephora. Bref, bon, jolie box, super. Super, je suis trop contente de l'avoir commandé. Moi, je me suis directement abonnée à l'année. Ça m'a coûté un bras parce que j'ai dû payer l'année entière ma coup, mais voilà, quand je l'ai reçu, je me suis dit, bah, j'en regrette pas. Et je regrette toujours pas. Et je suis toujours trop contente de ce produit. Voilà. Moi, ce principe de Jolie Box, ça réunit vraiment deux trucs que j'adore dans ma vie. La première, c'est les cosmétiques. Ce sont les cosmétiques. J'adore ça. J'adore les tester et tout. Donc ça, c'est génial. Et ça réunit le deuxième truc que j'adore dans ma vie. Recevoir des colis. J'adore ça. Je passe un petit plaisir de savoir que je vais attendre un truc et puis d'attendre le facteur et tout. Et après de l'ouvrir. Et puis en plus, là, c'est la surprise à chaque fois. Donc vous ouvrez un petit truc et là, vous êtes trop heureux et tout. Vous sautez de joie. Donc ce truc, je sais pas, c'est génial, c'est vraiment génial, 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 génial. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop ennuyante et horrible, et voilà, je vous dis peut-être la prochaine fois